Bonjour, merci d'être venu si tôt. Je vous ai... Hein, c'est vrai. Non, mais on s'entraîne derrière à, au Matmut, c'est pour ça que c'est difficile. Pardon ? Ouais. Allez, c'est parti. Si ça n'allait pas mathématiquement, est-ce que c'est le match de la dernière chance pour accrocher un maintien ? C'est un match à nouveau déterminant et en effet, c'est un match à fort enjeu, bien sûr, contre un adversaire qui est placé dans la même position que nous. Et en effet, l'issue de ce match-là va être déterminante pour la fin de saison. À chaque fois que vous avez eu des matchs capitaux à jouer, on peut penser à Montpellier ou à Troyes, vous êtes passé à côté. Qu'est-ce qu'il va falloir faire de différent cette fois ? Oui, c'est vrai que ce soit Troyes, dans un contexte différent par rapport à celui de Montpellier, on n'a pas réussi à l'emporter à domicile. On se doit d'être conquérant à domicile et c'est vrai que sur ce match-là, on doit envisager la victoire. Qu'est-ce qui va être différent ? On a eu des semaines de travail en plus. On a bien travaillé. On a bien bossé cette semaine. Je sens tout un groupe mobilisé. Je sens tout un groupe qui a envie vraiment de relever ce gros défi. La qualité. À travers les entraînements et à travers le travail. Avant, il y a quelque temps, on travaillait, il n'y avait pas obligatoirement de la qualité. Depuis quelque temps, il y a beaucoup plus de qualité. Maintenant, qu'on soit bien d'accord aussi, bien s'entraîner, ça ne ramène pas des points. Ce qui ramène des points, c'est le jour du match. Et le jour du match, il faut en faire plus, c'est évident. Parce que c'est là que ça se passe et c'est là qu'on va chercher les points. Donc, je suis satisfait du travail que font les garçons. Tout le groupe est concerné. Je veux vraiment un groupe complètement dirigé vers notre objectif. C'est pour ça que je suis vraiment satisfait de récupérer pratiquement l'ensemble de mon effectif parce que, comme je vous l'ai dit, ce groupe a besoin d'émulation, ce groupe a besoin de concurrence et je le vois à travers les entraînements et je le vois aussi à travers les matchs parce que tout le monde peut être important. On l'a vu au dernier match à Lille, c'est des garçons qui ont peut-être un peu moins joué ces derniers temps, qui ont été performants, parce qu'à l'entraînement, ils s'entraînaient bien, évidemment. On a bien vu à Lille que tout le groupe doit être concerné. Un match peut se gagner, peut se perdre dans le dernier quart d'heure. Donc, évidemment, les garçons qui ne jouent pas d'entrée sont déçus, frustrés. Mais ils doivent être complètement concernés et l'image de Lille, c'est peut-être Paul qui sort du banc et puis à deux minutes de la fin du match, qui sort un ballon chaud et qui vient aider Gaëtan. Et voilà, c'est comme ça que je veux voir le groupe jusqu'à la fin de la saison avec cette même solidarité et cette même générosité, cette entraide et que tout le monde soit concerné parce que je suis convaincu que c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est le match qui vous attend, quand même un profil très différent de ce que vous avez connu à Lille. Est-ce qu'on peut faire du copier-coller et se dire on remet la même équipe ou faut changer les profils parce que l'adversaire va être différent ? Non, c'est vrai qu'à Lille, il y avait des satisfactions d'un point de vue état d'esprit. Évidemment, on a loué l'état d'esprit des joueurs. Je viens de vous en parler, du groupe. Mais il faut être aussi juste. Ce n'était pas un très bon match. Au bout d'une demi-heure, le match, pour nous, il est fini. On se doit d'être bien organisé. C'est un autre match qui débute. Donc, mais dans notre position, je regarde aussi les autres équipes du bas du classement. Personne n'est bon. Dans notre position, il faut être efficace.
Et ça va être cette recherche d'efficacité qui fera la différence dimanche midi. Depuis le début de l'année 2022, à part le match contre Strasbourg, même avant votre arrivée, il y a ce problème, entre guillemets, offensif. À quoi vous l'attribuez? Est-ce que c'est collectif? Est-ce que c'est individuellement où les joueurs sont dedans? Est-ce que c'est l'animation qui, où personne ne trouve l'animation qu'il faut? Ouais, alors c'est un peu de tout ça. Je pense aussi qu'il y a eu quelques baisses de forme. Il y a eu des garçons qui arrivent pas en même temps au même niveau de forme. J'aimerais bien que Albert et puis Ouijo soient ensemble au même moment en forme. Et c'est vrai qu'ils se croisent. Et c'est un petit peu difficile. Ensuite, je pense que dans notre animation, on doit demander beaucoup plus aussi aux garçons qui sont autour d'eux, qui prennent beaucoup plus de responsabilités. Et puis, il faut qu'on soit beaucoup plus juste dans cette avant-dernière et dernière passe. Quand je dis ça, je pense surtout aussi aux joueurs de côté qui n'amènent pas assez de qualité dans les centres. Je pense aussi aux joueurs du milieu de terrain. Qu'on doit être beaucoup plus technique, beaucoup plus juste. Mais ça va aussi un peu avec la confiance. Donc j'espère que depuis quelque temps, avec le travail de l'entraînement, on va réussir à amener plus de qualité dans notre jeu. Mais ça passe inévitablement par une remise aussi en question individuelle. Alors oui, vous stigmatisez peut-être un petit peu plus les attaquants parce que c'est leur job, on est d'accord, mais ils doivent être aussi, c'est aussi le rôle de tout le monde de pouvoir marquer sur une frappe. On voit qu'on a des bons joueurs de frappe, que ce soit au milieu de terrain. Ça doit être aussi l'envie de donner un cadeau aux copains. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup les pistons sur les centres. Donc on travaille tout ça. Maintenant, il faut que les garçons ils soient beaucoup plus juste pour que notre jeu collectif et puis surtout notre jeu offensif, parce que je vous rejoins, c'est nettement insuffisant. Est-ce que vous sentez le groupe prêt à, alors le mot est fort, mais à faire la guerre dimanche? Parce que c'est Oui, vraiment ça. le match de Lille, je pense là-dessus, il m'a donné des bons signaux. On a vu, hein, je répète pas tout ce que je viens de vous dire, mais on a vraiment vu un groupe et une équipe complètement concernés par l'objectif. Et on sent cette unité que j'ai demandé autour de l'équipe. Et c'est pour ça que ce match de dimanche va être très important. L'issue de ce match va être très importante. Comment va le genou d'Albert Ellis? Il n'est pas marqué. Alors, c'est vrai qu'en début de semaine, il a été aux soins. Il va reprendre avec le groupe, j'espère. Et on pourra se décider d'ici la fin de la semaine entre l'entraînement qui va y avoir. Est-ce qu'il y a un job mental à faire particulier avant d'aborder ce genre de match? Surtout quand on a passé à côté des matchs contre Troyes et Montpellier, est-ce que vous dites qu'il faut accentuer sur certaines choses ou pas forcément? Ben, il faut faire prendre conscience. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de, y a pas de. Comme je vous dis, on a bien avancé depuis notamment depuis le match d'Alavés, depuis le travail de la trêve. On a vraiment bien avancé là-dessus. Il faut que les garçons soient totalement focus et seulement centré sur leur performance, peu importe le temps de jeu qu'ils vont avoir de dimanche. Ce sont des matchs importants qui arrivent dans une saison. Et puis plus on se rapproche de la fin de la saison, vous doutez bien que ça a un vif intérêt. Et surtout, ça permet derrière. On a une semaine à 3 matchs qui va être décisif. Donc il faut préparer ça du mieux possible et ça passe évidemment par un succès. Vous avez analysé les 20 premières minutes de Montpellier. On se rappelle après le match, sans parler tout ce qui s'est passé après, mais les 20 premières minutes où vous étiez Oui, alors. dépité, pourquoi? Est-ce qu'ils étaient tétanisés? C'est aussi une satisfaction après le match de Lille. C'était le respect des consignes et le respect du plan de jeu. Souvent, ici, je vous ai dit, enfin, souvent, quelquefois, je vous ai dit que mes joueurs n'avaient pas respecté le plan de jeu, les consignes. Autant à Lille, on était carrément dans notre plan de jeu, aussi bien dans la première demi-heure que dans l'heure qui a suivi.
Et j'ai entendu ou lu, ouais, c'est la réussite, les trois hors-jeu. Non, ça, je ne peux pas laisser passer ça. C'est le travail que l'on fait à l'entraînement. Les joueurs le savent. On travaille ces remontées, cet alignement. Et c'est seulement le respect des consignes et du travail. Donc, contre Montpellier, les 10 premières minutes, on est d'accord, elles ont servi surtout à ce que les joueurs sortent un petit peu de leur inquiétude. Ils étaient inquiets. Montpellier n'était pas dangereux. Benoît n'avait pas touché un ballon au bout de 10 minutes. On est d'accord. Et là où on fait voir à la vidéo la veille que Ferry, de son propre camp, prend le ballon et puis met un long ballon dans le dos de la défense pour Wailly qui prend la profondeur. Tout est identifié, tout est vu avec les joueurs. On leur dit, et là on voit qu'on est en difficulté, que les garçons, en effet, ne sont pas dans les consignes que l'on a dit pour aller chercher Ferry, puis pour accompagner, et puis aller au duel avec Wailly. Voilà, c'est un exemple. Et on sort de ce que l'on a dit, et c'est des choses que je me dois même d'appuyer, parce que je suis convaincu qu'on a des joueurs, on a des bons joueurs qui sont capables de faire de bonnes choses et en respectant le plan de jeu comme ils l'ont fait à Lille. On a l'impression, David, qu'il y a eu beaucoup plus de communication entre eux sur le terrain, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Vous l'avez dit, on a respecté le plan de jeu. Est-ce que vous avez trouvé des relais un petit peu plus nombreux sur le terrain? J'ai des garçons qui sont, ça revient à la question de tout à l'heure, j'ai des garçons qui ont conscience des difficultés dont est l'équipe et le club et en effet qui ont envie de réagir. C'est pour ça que c'était des bons signaux à Lille, parce que je répète encore une fois, c'était du 11 contre 10 chez le champion de France et on a vu une belle solidarité. Mais qu'on s'entende bien, on a fait match nul à Lille, on n'a pas gagné, donc je ne peux pas être totalement satisfait. J'aurais aimé rester à 11, parce que je pense qu'à 11, on aurait pu faire quelque chose. C'est bien, c'est encourageant, mais ce n'est pas encore ce que je veux. Ce sera les retrouvailles avec le public, après Montpellier, les incidents pendant le match et l'après-match un peu musclé. À quoi vous attendez dimanche ? À l'image de ce qu'ils nous ont proposé à Lille, je sais que le public va être présent et qui va aussi nous encourager. Je sais que j'ai lu tous les messages, que ce soit, je répète, que ce soit le public, les supporters, les partenaires, la direction, les joueurs. Tout le monde dans les messages sont tournés, tout le monde est tourné vers le maintien. Donc là-dessus, j'ai aucun doute. Je sais que le public était déjà nombreux et a bien encouragé. Ils étaient fiers de nos joueurs à Lille. Et je sais qu'ils seront dans le même état d'esprit dimanche. Tom Lacroux n'est pas forcément un joueur de débordement quand il joue sur le côté. Est-ce que dans une configuration où a priori vous aurez peut-être plus le ballon, il peut jouer à ce rôle de piston également? Alors, en effet, c'est pas le joueur qui va dépasser, percuter, qui va déséquilibrer par la course, mais il peut déséquilibrer par le mouvement, il peut déséquilibrer par du jeu combiné. Mais c'est un garçon qui amène de la lucidité, qui amène de la sérénité, du calme, et puis qui se trompe pas beaucoup dans ses choix. Voilà, on va dire qu'il amène de la fiabilité. Et c'est quand même important pour un entraîneur, un joueur fiable, quand on sait qu'on le met sur la pelouse. Et il répondra aux attentes. C'est quand même une bonne chose. Maintenant, je connais les qualités. Je commence à bien connaître Tom. Je connais ses qualités. Je sais où est-ce qu'elles peuvent être davantage mises en valeur. Et par prolongation, Timothée Pembélé n'était pas dans le groupe. Mmh. Est-ce que c'est complètement sportif? Est-ce que voilà? Oui, c'était complètement sportif. Je rappelle bien que tous mes choix sont sportifs. Et pour Tim, j'avais Enoch.
et j'avais Tom, donc Enoch qui peut jouer aussi dans le couloir, Tom qui peut jouer aussi dans le couloir. J'avais déjà deux joueurs qui sont capables de jouer dans le couloir. Je ne voyais pas l'intérêt d'en rajouter un troisième. Merci. C'est un match, tout le monde le sait, capital. Est-ce que l'approche est différente des matchs précédents ? Non, on sait que chaque match est important. Encore plus celui-ci, car c'est un concurrent direct. Donc oui, c'est sûr qu'on le prépare avec beaucoup d'envie et d'application. Mais par rapport aux autres matchs, ça reste la mission. Est-ce qu'il y a du stress ou vous essayez de dédramatiser et d'approcher de manière entre guillemets plus décontractée ? Non, je pense qu'on connaît les enjeux. On connaît les enjeux. Ça va être un match costaud. Voilà, on sait qu'ils sont dans la même situation que nous. Donc, va falloir faire le travail. Après avoir raté le match contre Troyes à la maison, contre Montpellier à la maison, est-ce qu'il y a cette envie de rentrer dimanche sur le terrain avec encore plus d'agressivité, plus d'impact dans les duels, leur faire vraiment mal tout de suite, ne pas se rater quoi, dès le début de match ? Bien sûr, c'est vrai qu'on a ces matchs-là, on aurait pu largement faire mieux, à mon avis. Après, je n'étais pas sur le terrain, donc voilà, je ne me permets pas de juger. Mais c'est vrai qu'on a à cœur, à domicile, de montrer que c'est nous les patrons. Et que justement, on est chez nous et qu'on a envie de gagner. Vous marquez peu depuis quelques semaines. Comment tu l'expliques, toi ? Je pense que c'est une passe. Voilà, on marque peu, mais on est plus costaud défensivement, on va dire. Voilà, il faut. Je pense que par rapport à ça, il faut être patient et ça va venir tout seul.
Le coach nous disait que depuis le match amical contre Alavés, la victoire, vous avez bien bossé, ça vous avait fait du bien. Toi aussi, tu ressens ça à l'intérieur du groupe ? Oui, c'est sûr. Après avoir enchaîné quelques défaites, de se relancer sur un match comme ça face à Alavés, c'est vrai que ça nous a fait du bien. Le fait rien que de gagner, ça nous a fait beaucoup de bien, oui, dans les têtes. Tu avais joué l'année dernière les matchs qui ressemblaient un peu à ça, contre Rennes, contre Lens, pour le maintien. Qu'est-ce que tu en retiens de ce que vous avez bien fait, qui vous avait permis de gagner ces matchs-là? Je pense que ces matchs-là, l'année dernière, ça s'est joué au caractère. Parce que c'est vrai que c'était des équipes qui étaient au classement devant nous, et loin devant nous, on peut le dire. Et c'est vrai que voilà, c'est, quand on met 3-0 à Lens à la maison, c'est, voilà, il n'y a pas de secret. Je pense que ça peut partir que de nous. Tu as l'impression qu'on fait appel à toi que pour les matchs comme ça ? Finalement, tu as joué la fin de saison dernière, tu rejoues maintenant ? Moi, si peu importe quand on fait appel à moi, je pense que j'essaie de tout donner pour répondre présent, peu importe la situation, donc non, pas forcément. Ce n'est pas des situations que tu appréhendes particulièrement, le fait que... Je pense que c'est des situations qu'il faut apprendre à gérer. Encore plus vite par rapport à nous, les jeunes. Mais c'est vrai que oui, c'est des situations qui nous laissent pas le temps, en fait, de faire. On est obligé de faire abstraction de ce qui se passe autour, en fait. Tu parlais de caractère. Est-ce que tu sens que ce groupe-là a le caractère pour aller se sauver en fin de saison ? Moi, sincèrement, moi, je pense. Parce que sincèrement, c'est un groupe qui vit très bien malgré ce qu'on peut entendre. Donc moi, oui, par rapport à ça, il n'y a aucun souci. Je suis convaincu qu'on peut le faire. Le but d'avoir ramené de Lille sans prendre de but, justement, ça va dans cette optique-là du caractère aussi. Oui, c'est sûr. Voilà, on a joué à 10 à partir de la 36e à peu près, je crois. Donc c'est vrai que, voilà, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut, c'est des matchs qu'il faut jouer au caractère. Et là, on l'a montré contre Lille, on a été relativement costaud pour pas prendre de but. À titre personnel, comment tu juges la saison que tu traverses ? Est-ce que c'est ce à quoi tu attendais ? Comment tu l'as vécu ? Quelques blessures aussi ? Oui, voilà, je pense que j'ai eu quelques blessures. C'est vrai que ça a un peu faussé en début d'année mon temps de jeu. Donc voilà, après j'essaie de à chaque fois de revenir à mon meilleur niveau, peu importe le poste, et voilà. Et ce poste de piston droit, du coup, qu'est-ce que t'en retires, qu'est-ce que tu retiens ? C'est pas, j'avais déjà joué un peu à ce poste-là, enfin, pas forcément piston, plus latéral, mais c'est vrai que voilà, ça fait découvrir d'autres choses, et j'essaie de m'adapter au mieux, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu peux apporter offensivement, justement ? On parlait de ces problèmes offensifs. Forcément, quand on est piston, on a aussi un rôle à jouer. Qu'est-ce que tu peux apporter et qu'est-ce que te demande le coach par rapport à ça ? Je pense que c'est offensivement, c'est d'apporter de la justesse et du calme, justement. Parce qu'on sait que je n'ai pas certaines caractéristiques que pour avoir d'autres pistons. Donc voilà, je pense que oui, c'est de la justesse et de l'application. Tom, ce match, il est très important. Dimanche, on l'a répété, mentalement, il faut être prêt aussi à tous les scénarios. On a vu que vous étiez mis un peu la tête à l'envers avec des entames pas forcément très bonnes à domicile. Là, il faut être prêt aussi à rebondir et à évoluer au fil du match. Oui, voilà. Après, on sait que ça, c'est certaines fois, ça a été notre défaut de mal commencer les matchs et de justement réagir. Je pense que ce qu'il nous reste à faire, c'est de directement rentrer dans le match et essayer de nous imposer d'entrer. T'es originaire d'ici, t'es du club. Les Girondins en Ligue 2, c'est des choses que tu t'es projeté, tu t'es imaginé ou... Sincèrement, j'essaie de pas y penser. Je connais la situation, mais moi j'aime le club et je sais que ça me ferait mal de voir Bordeaux en Ligue 2, ça c'est sûr. Donc vous pouvez être sûr que ce soit moi ou les autres, on lâchera rien jusqu'à la fin. Merci.